on va commencer, là-bas, on va faire la voix. Et ici, on va faire un peu l'échauffement du corps. D'accord? Un petit peu, on va bouger un petit peu. Donc, on commence. L'animateur A commence à s'étirer en nommant lentement les parties du corps qui l'échauffent. Les parties du corps qu'on a vues? Les mains. On fait doucement. Doucement. Rapide. L'animateur A étend petit à petit le vocabulaire en lien avec l'échauffement. Pas seulement bras ou tête, mais aussi tourner, soulever, rapide, lent, et il les répète jusqu'à ce qu'ils sentent que les participants les ont intégrés. Ok, si on fait un pas à droite, c'est par où? Ouais, non, ça c'est les cheveux. Et là, c'est les chevilles. Ok, les genoux. Par exemple, reviens vers moi, comme t'étais. Vas-y. L'animateur A propose de faire un cercle. L'animateur B l'aide à attirer l'attention et à faire le cercle. La première phase consiste à se diriger vers une autre personne du cercle en disant son propre nom. L'animateur A donne un exemple avec l'animateur B. Les animateurs doivent répéter l'exemple si nécessaire. Puis l'animateur B se dirige vers un autre participant. Qui se dirigera à son tour vers quelqu'un d'autre du groupe, et ainsi de suite. Si le groupe se sent en confiance, on peut décliner le même jeu avec la variante suivante. Les personnes qui échangent de place dans le cercle ne disent plus leur propre nom, mais celui de la personne avec qui elles échangent de place. Tu t'appelles Delphine. Je peux mettre le M ? Ouais. Elle s'appelle Sophie. Tu t'appelles Favo. Tu t'appelles... Elle s'appelle. Elle s'appelle Delphine. Estou achando a experiência muito boa, porque as professoras elas têm uma forma de explicar e de envolver os alunos muito bem. Nós somos pessoas de vários países, de várias culturas, nós temos histórias de vida diferentes. Alors vraiment les deux méthodologies qu'on utilise, une méthodologie qui est issue de la pédagogie actionnelle et qui est vraiment basée en fait sur l'horizontalité, qui met en valeur les participants en fait et les apprenants, et le ludique qui permet de désacraliser le rapport à la langue et donc du coup de faciliter l'accès à la communication. Ok, super, merci. Verse quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez comment on l'a fait? À ce stade, dès que l'animateur A en a l'occasion, il brise le cercle en pointant quelque chose dans l'espace et en le nommant, avant de se diriger vers cette chose. La porte jaune. De côté, il faut sauter et toucher le drapeau rose. Le rose. L'animateur A doit prendre le temps de répéter les mots et de comprendre quand vient le moment d'introduire du nouveau vocabulaire. Le plus rapidement possible, la porte vitrée. Les animateurs doivent s'assurer que le groupe trouve du plaisir à reconnaître les mots. Rapide la table. Ok, rapide la table. Vite. le but, c'est d'y arriver le premier. Donc. Dans l'idéal, il faudrait répéter certains des mots utilisés lors de l'échauffement, comme tourner, rapide, lent, etc. Doucement à la porte rouge. Ok. Et on va où? C'est quoi qu'on va toucher comme objet? La scène? Le mouvement, enfin ouais, je trouve ça très intéressant, le corps en mouvement en fait, dans l'apprentissage. On travaille sur les prépositions de lieu, on ne va pas rester statique avec notre cahier, on va en fait le vivre. Vivre, avancer, reculer et... c'est chouette. Si les participants sont à l'aise, on peut ajouter des indications accompagnant le verbe d'action « tu viens ». Plus vite, plus lentement, à gauche, à droite, okay, en arrière. Au début, il est important d'exprimer clairement chaque mot en passant par le langage corporel. Suivant la progression des apprenants, on essaiera d'introduire plus de vocabulaire. Sur votre droite, la girafe. La girafe, elle est où? Ok. Sur ce travail de mémoire qui met, qui s'appuie vraiment sur une corporalisation des sons et des mots, dans une première étape, ce travail de corporalisation, qui au début n'est pas forcément relié en fait à du sens,
relié à des mots très précis. Et ensuite, dans une deuxième étape, on va revoir de façon plus académique ce vocabulaire qu'on aura exploré, qu'on aura corporalisé dans un premier temps, sans qu'il soit relié à du sens. Et c'est à partir du moment où on a ces deux étapes-là que l'apprenant, en fait, il relie quelque chose qu'il a retenu avec son corps à quelque chose qu'en fait, qui en fait a du sens, et ça facilite énormément en fait, le travail de mémoire, notamment sur le lexique. Prochain exercice, fixez ce qu'on a par ici. Appris de vocabulaire. M, E, E, N, N. Il y a une lettre en trop, elle est où? L. Celle-là? L. Le L. Ok, lentement, doucement, qu'est-ce qu'on a dit encore? Reculer. À reculons. À reculons, ou recule et en arrière, tu as dit aussi, ça va un peu ensemble. Hein. À reculons. C'est parfait. Après le O, qu'est-ce qu'il y a? N. 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 Très bien. Il y a les gens qui sont parmi nous, ils ne savent pas parler le français. Mais grâce à le théâtre, on apprend à parler le français aussi. On parle aussi dans notre langue maternelle. Tous les jeux qu'on fait, souvent, on essaye de les faire aussi dans des langues maternelles des participants et de se retrouver nous-mêmes en tant qu'animateurs dans la position de l'apprenant. Et en fait, à décaler comme ça les rôles, ça amène une espèce de rapport d'horizontalité qui génère vraiment du collectif, en fait, une ambiance de groupe. En travaillant la confiance, on travaille aussi à enlever des barrières de gêne qui, bien souvent, en fait, sont ce qui bloque l'accès à la communication quand on arrive dans un pays étranger. Et puis à la fin, pour qu'on entende, parce que la dernière consonne, si elle n'est pas accompagnée d'une voyelle, d'un E, d'un A, on ne la prononce pas. Donc comme on entend le N, on met quoi derrière? La scène E. Exactement. Moussa. Moussa. OK. Marie, Nusra et Delphine. Il faut arriver à convaincre la personne qui est au milieu d'aller vers vous. Par exemple, Nusra, viens. Viens vers moi. Viens ici. Viens. Non, vers moi. Non, s'il te plaît, Nusra, avec moi. Allez, viens avec moi, s'il te plaît. Le groupe est divisé en petits groupes de 3 personnes chacun. Les 3 sont sur une ligne, avec une bonne distance entre eux. L'un d'entre eux est au milieu. Les 2 personnes sur les bords doivent appeler, séduire, convaincre, prier la personne qui se trouve au milieu, afin qu'elles viennent vers l'un plutôt que vers l'autre. Okay. On doit convaincre. Ça peut être avec les mots et ça peut être avec les gestes. Les gestes, oui. D'accord ? Il faut céder avec les mains, avec le regard. Ah, la cousine, viens nous manger. Les animateurs sont disponibles pour suggérer des mots si les apprenants le demandent. À cette étape, il est important de préciser que l'on peut utiliser les gestes pour compléter les mots afin d'attirer la personne. Ah, en avant. Ok, stop. À cloche-pied en arrière. Stop. En bas. Celui qui dirige le fait en utilisant ce vocabulaire. À cloche de pied, oui. Jusqu'à les portes jeunes. L'exercice se passe en binôme. Le duo doit créer une action dans l'espace en utilisant les mots qu'il vient d'apprendre. On va, on s'assoit, à droite, plus vite, etc. On marche lentement jusqu'à la mer. Jusqu'à la mer. Ah ouais. L'action doit être répétable. Les animateurs sont disponibles pour suggérer de nouveaux mots en fonction des besoins de chaque duo. Lentement. Lentement. La porte. Lentement. À la vite. À tous. Pour la deuxième étape de l'exercice, l'une des personnes du duo doit fermer les yeux et refaire la même action dans l'espace, tout en tenant la main de son partenaire qui lui donne des consignes. On marche avant doucement. En baissant ? Oui, en baissant. Durant la dernière phase, le duo répète l'action sans se tenir la main. Stop. La personne qui a les yeux fermés est seulement guidée par la voix de son partenaire. Puis on inverse les rôles. Reculons, 3 passes. Ouais.
Et tournez à droite. Et vous avancez et doucement. Creo que esta metodología tiene distintos momentos y además distintas oportunidades de aprendizaje, porque finalmente puedes aprender muchísimas cosas a través de este tipo de metodologías, no solamente la lengua francesa, o sea, hay muchas variaciones que se pueden hacer con este tipo de metodología para lograr escenarios de aprendizaje y creo que es lo más interesante del programa en general. Ça vient activer cette mémoire sensorielle qui peut être émotionnelle mais qui peut être aussi seulement corporelle. C'est une mémoire qui est très inconsciente en fait, la mémoire sensorielle. Et du coup, on se retrouve dans des situations où on fait des jeux et les participants ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose et finalement vont se souvenir bien plus facilement des mots qu'ils auront appris parce que directement, ils vont visualiser ou sentir l'émotion que ça leur a fait ou le geste qu'ils ont fait en apprenant ce mot-là. C'est bien de savoir qu'on a plein de choses à notre portée sans être un professionnel du théâtre. Être à deux, faire une action à l'autre. Donc, enfin, la première partie de l'exercice est vraiment gestuelle parce qu'il s'agit de faire quelque chose à l'autre en le guidant par le regard. Mais ça peut l'amener donc à se déplacer dans l'espace, plus ou moins vite, de différentes manières, à bouger un objet, etc. Comment construire une histoire à deux quand on ne parle pas la même langue, mais construire une histoire ensemble en passant par des gestes pour ensuite qu'on puisse de cette histoire sortir des phrases, sortir des mots. Et que du coup ces mots-là soient le vocabulaire apporté dans la séance. Ça, ils ne nous l'ont pas dit directement, mais là je vois bien comment je pourrais proposer quelque chose comme ça à partir de tous les outils qu'elles nous ont donnés et qu'on peut recombiner selon les besoins, quoi.